Voilà, donc j'ai vu que sur les votes, c'est Rodoudou qui gagne pour l'instant. Oula, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent voir notre cher Miaou gagner. Allez, c'est parti pour le premier match. Voilà, le 3B, hop, avec le Yoshibisu Drodoudou qui est en blanc. Alors, est-ce qu'on va voir un Yoshibisu plein de panache, comme on a l'habitude avec Drodoudou? Pour l'instant, il est bien parti. Le 3B, ça a whiffé, c'est pas pudi. Le 2B, il s'est baissé, hop, voilà, il se prend ce coup de regard. 3B, ça passe dans la garde, hop, le 3B derrière. Oula, bien joué ça. 3B, hop, allez, le BB, ça passe dans la garde. Pour l'instant, on y va gentil quand même. Hein. Oula, il s'est pris un GA. Bien joué la chope. Ah, dommage, il aurait pu tester la chope spé. Le FC3 qui s'est pas passé. La chope basse, attention. Comment va se terminer la chope basse et déchopée? La chope encore. Il va avoir le Manga mal relevé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un gros coup. Attention, ça se regarde de côté. Ouf! Oh là là! Il s'est remis un peu de vie et après il a balancé un lot très bien joué de la part de Rodoudou qui prend le premier round. 3-3B, hop, avec le FCB derrière. Ah, le FC3 kick, ça balance les FC3 kick, hein. Oh là là, bien joué le grattage au sol. Oh, bien joué le petit bas point, dommage le combo qui n'est pas passé derrière. Attention, bien joué, là ça vise les côtes à côté, du côté de Joe. Il a pris l'avantage là. Bien joué là, pour l'instant ça se tame dans la garde, ça se regarde. Bien joué la chope, allez on va avoir le petit mangame à larver pour terminer. Le B, le 6 kick à wiffé, et bien puni au AGA. Premier round pour Rojo qui revient à partout. Ah, désolé, vous avez pas de son, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Allez, on en revient au match. Bien joué. Hop, bien joué le 6 qui s'est passé dans la garde. Pour l'instant, Joe qui prend l'avantage là. Et en plus, la barre de Yoshimitsu qui commence à clignoter. C'est baissant sur la chope. Ça pinot 2 kicks. Il aurait pu mieux mettre. Et le 9 kick pour terminer le premier round. Le deuxième round, pardon. 2-1 pour Joe. AGA, ça passe dans les côtes. Bien joué, là, encore un deuxième AGA. Oh là là, dommage, c'est passé ça. Oh là là. Boum, tac. Et encore un 3-3B pour terminer. Bien joué. Et c'est Joe qui prend le premier match. Test your might at the festival for battle one. Fight. Voilà, c'est les pieds. La chope basse. B là. Bien joué le kick. Joe pour l'instant elle est bien partie là dans ce match. Hein. Il n'a pas envie de montrer que c'est un palliasson. On dit la chope basse, c'est bien puni. Ouf, l'imparable qui a failli passer. Mais Joe, il s'est pas fait avoir, il a bien bourré et il prend le premier round. De 2B. Ouh là là, ça vise les côtes, le 3B derrière. 6-6B. 3B pour gratter au sol, on gratte au sol. Le petit de kick. Ah je sais pas s'il peut punir le 3B. Joe. Bien joué le rôle de B là. Dommage il a raté le glisser BA.
Bien joué ces trois kicks là. Allez, il faut terminer. Oh, attention là, c'est mal puni. Bien joué la punition de la shop avec le 2 kick. Et Doudou qui revient à rond partout. Ah voilà, ça commence à faire les petites folies. Si, si, ça tout foutre avec le Dirk Knocker derrière. Le 3B encore. Ah. Oh, attention, faut pas rester là, Yondoudou. Voilà, bien joué, ça vise les pieds. La barre de Roudoudou. Toujours en train de clignoter là. Bien joué, là, joué là. Oh là là, dommage, fils. Ah, bravé, j'ai counter. Je savais pas counter, malheureusement. Enfin, il y a eu double touche. Ah, bah, ça va faire mal. Boum, paf, tac, il va y avoir le wall. Et. Oh là 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 là, il s'est fait avoir par ça. Il a bien parade derrière, il a pas voulu gâcher de la barre. Et donc il prend le deuxième coup. Bébé, voilà le 9 kills derrière. Fais pas tout, il essaie de jouer tranquillement. Bien joué, le C3 kick, le 3B derrière. Ah, le C3 kick là, il a été mal passé. Pour l'instant, ça a bien joué le 6-6-1. Attention sur le 3B. Oh là là, il se prend pour le 3B. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il se prend 1-1? Voilà, avec le bravage qui est derrière, la chope. Oh là là, il se prend tout, il se prend tout, il se prend tout. Ça va être compliqué pour revenir. Oula, est-ce que la seule va passer? Oh là 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 là, c'était chaud. Et il a bien estimé. Donc il prend le deuxième match. C'était chaud, hein. Bon bah voilà, c'est Joe, il a envie de prendre sa place pour le Deus Mentes. Et il met les choses au clair, il se laisse pas avoir par les petites folies de RDDK. Mais RDDK il fait pas. Pour l'instant il fait pas grand chose hein. Pour l'instant il joue calmement. The history between the Fuma clan and demons of Battle One. Fight. Allez on est parti, la shop. Le 3B pour gratter. FC3 kick. Avec derrière. Bien joué là, ça. Bien, ça vise les côtes, attention, ça aussi 3 kicks. Super partisan. Ça c'était osé. Bien joué de la part de RDDK qui tue au suicide. Premier round pour lui. Oh dommage, la punition. Il a pas de rouge punish, il fait une chop. Oh là là, bien joué la parade. Le 3B. Hop là. Hop là. Il a tout bouffé. Pour l'instant, il est bien parti. Attention, ça va faire mal ça. Est-ce que ça va faire roll? Bien sûr, ça fait roll. Hop, hop, bam. Est-ce qu'il va faire le tech trap? Oui, il s'est pas relevé. Oh là là, par contre, il est très bien revenu là dans le match. Allez, faut punir. Bien joué la chop. Et c'est terminé. C'était un peu chaud là pour RDDK. Il a failli pas prendre ce match. Enfin, ce round, pardon. Et maintenant, il mène par 2 rounds à 0. Voilà. Ah, il est bien, il est très agressif là. Oh, bien joué de 2B pour le 6-6-B là. 6-6-B encore. C'est, là, c'est dommage, il faut essayer de stepper sur le 10 à Bravage. C'est pas évident, mais il faut le faire. Après, vous allez sur bien jouer le GI. Hop, hop, le wall. Oh, dommage, le dernier kick du Torknocker qui touche pas. Ça aurait pu refaire wall et puis après faire très mal après. Oh là là, bien joué la CE. Bam, allez, attention, comment ça va se terminer? On a à peu près au même niveau de vie. Oh, dommage, il aurait dû faire le 6 kick, sa tête mort. Et un FC, 3 kicks. Et après, il termine par en visant les pieds, bien sûr. Et RDDK qui prend son premier match. Voilà. Il essaie de recoller, c'est bien. Bon bah voilà, si les deux continuent comme ça, ça nous promet un bon match. Voilà, RDDK à 70% de sa force. A new nightmare approach. Battle one. Fight. Voilà, là j'avoue, ça fait mal dans la gueule ça. Bien joué la chose.
3B. 3B encore. Oh, bien joué ça. Oh, dommage, il a raté le combo. Oh, ça aurait été beau ça. En tout cas, c'est bien tenté. Et le 9 kill pour terminer. RZDK qui prend son premier round. Encore le enchaîneur pour débuter. Oh là, qu'est-ce qu'il fait RZDK? Oh là, il essaie de reprendre de la vie. Et ça, il a bien été interrompu par Duo, c'est bien. Oh bien joué, oh dommage, le RZDK n'est pas puni. Enfin, là, faut qu'il bouge plus, il chante mieux là RZDK. Voilà, il fait la foudre. Attention, dernier petit man game là. Et voilà, le petit 4 kick pour terminer. Un round partout. 2-2B, ça passe. 6-6B dans la garde. Voilà, 6-6B c'est aussi ça passe du côté derrière RZDK. C'est 3 kicks, 3B. Il reste en bas, il faisait 3 kicks à ces 3 kicks. Ah là là, ça c'est bien ça. Oh, superbe là. Le suicide. Et c'était un peu risqué quand même. Hein. Ouh, bien joué pour esquiver le AGA là derrière. Très très bien. Alors, on a du très gros doudouk, hein. C'est bon, c'est balèze. Le 2B ça passe dans la garde. 6-6B dans la garde aussi. Le 2B ça passe dans la garde. À mon avis, il va jouer sur la garde de son adversaire, Joe, pour essayer de revenir. Il a bien raison. Oh, bien joué là, la parap là qui peut passer derrière. Attention par contre, le A1A qui peut passer. Oh là là, superbe ça. Très très bien joué de la part d'RDK. Ah, par contre, là, le C3 kick est mal puni de la part de Joe. Faut mieux punir le C3 kick. Bien joué la punition de Chop avec le 4 kick B. Et il revient à deux partout, notre cher RDK. Les Yoshi Mitsu sont dans la place. Je rappelle quand même que les Yoshi, on en a deux pour le Deus Mentes. On a déjà Thierry, qui s'est qualifié en battant Ayate. Et on a Happy. Happy, hein, qui est clairement le pour du moment. Hein. C'est l'homme à abattre. Et lui qui s'est qualifié facilement face à Akiru. Ce dernier qui va essayer de venir à Cannes. Personnellement, je ne pense pas qu'il sera là, mais bon, cette chose ne regarde pas. On va revenir à notre match. Allez, on est reparti. Mais ça part dans la gare. Bien joué, le 6-6 encore qui passe. Le 9 kick là, le 2B ça part dans la gare. Cette fois-ci, il passe. Le 1 à la foule à la fin. Attention, c'était HG. Voilà. Avec le 3B. Oh là là. Ça, oui, fait côté le petit kick. La shot pass. Oh là là, dommage. Faut plus dire les shot pass là. Il a bien joué le bas point. Hop, hop, hop. Le dunk le cœur. Le 3B pour gratter. Oh là là, il a voulu faire un truc mystique. Il a bien bourré. Et la shot pour terminer. Et RDDK qui perd ce premier round. Pour l'avantage. Oh là là, bien joué dans les côtes là. Le 3B derrière. 6-6B pour jouer dans la garde. Joe, c'est quelqu'un qui aime bien jouer sur la garde de son adversaire en balançant des... Oh, dommage, il aurait pu tenter de essayer de le sortir là. Je disais, en effet, Joe, c'est quelqu'un qui joue énormément sur la barre de garde de son adversaire. Il n'hésite pas à mettre de très gros coups dans la garde. Hein. Il sait que le coup va passer dans la garde, mais tant que ça vous l'a fait clignoter, c'est tout bon pour lui. Ah, voilà, bien joué là. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien joué là, il s'est blessé. Le rôle VB et... Le glisser BA derrière pour prendre le deuxième round. Dommage, ça n'a pas mis le compteur, il aurait pu le faire sortir. Bien joué 3B. Ça c'est bien. Là, CE, est-ce que ça va passer? Oui, bien joué. Superbe là, la CE qui passe en punition. Un peu loin, mais c'est passé quand même. Voilà, on va jouer sur la barre de garde aussi du côté de RBDK. Bien joué, c'est la position de la chope. Le 9 kick. Oh, la CE, bam! Voilà, ça c'est bien ça. Très bonne utilisation de la CE. Il l'a passé deux fois, les deux fois sont passées. RBDK a toujours l'avantage. Il se remet un petit peu vite, il faut qu'il est loin. Bien joué, le 3, ça a whiffé, c'est pas permis. Hop, position de la chope pour le 6 kick. Et le 2B pour terminer. Et premier round pour RBDK. On en est à 2-1. Bien joué le 2B, FC3 kick. Ah, le FC3 kick qui passe pas encore. Ouf, là, le VB est bien joué de la part de Joe. 9 kick, c'est de l'équipe de l'autre côté. 9 kick du côté de Joe.
Ouh, bien joué la punition. Tu vas. Ah, pardon. Hop, la chope. Allez, on va voir le mix-up. Alors, le fils qui va faire 3 pour gratter au sol. C'est bien ça. Oh là là, le 9 mec est passé. Oh là là. Oh, le VP avec le BCBA qui passe. Et Joe reprend l'avantage. On en est à 3-2. Très bien joué de la part de Joe qui est resté bien tranquille. N'a pas fait de folie. Et bah voilà, on a un très très bon match. Je rappelle quand même que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas revu, du moins sur le stream, de défi au lieu de Forgive. En effet, il y a eu des petits contretemps, j'ai déménagé, avec que j'ai une connexion internet. Donc je vous ai offert seulement des défis au lieu de Forgive qui étaient record et puis après je vous ai remis sur le net. Et là, depuis que j'ai une connexion, je revis un peu. Et je vous offre, je peux vous offrir des streams. Je vous ferai aussi des sessions streamées quand je ferai des sessions. Et donc voilà. Allez, on en revient au match avec un Joe qui a bien pris l'avantage là, qui balance plein de 2-2B. Et voilà, il prend son premier match là avec un 3-3B et le BTB derrière. Obi-Wan pour Joe. AGA, ça passe dans la merde. Stick derrière. Ouh là là, ça. Il prend tout là en RDV. C'est 6B. La chope, bien joué. Le BB, oh là là. Il prend tout là. Si si, ça touche tout le temps avec le 9 derrière, le 3 pour gratter. Oh là là, et la chope peut être esquivée par le 9 de Joe. Joe qui mène par 2 à 0. Ouh là, c'est pas passé. La punition avec le 9-3 qui. C'est la 6-6B qui a été esquivée à la relevée. Il a bien bourré son 2-2B. Ah dommage, il a raté la punition. Oh bien joué le Just Guard, la capuche 3B. Ah dommage, ça s'est pas passé. Ça a pu faire un joli combo. FC3 kick, 3B pour gratter derrière. FC3 kick, c'est pas passé. Punition avec un petit 2 kick, 2 kick pour gratter. Le 2 pour gratter, raté le 6B. Bien joué ça. Oh là là, il a balancé la seule encore une fois. Mais cette fois-ci, il a bien chopé. Bien joué de la part de RDDK qui revient à 2-1. Et pour RDDK, il va pouvoir essayer de coder au score. Et du coup, oh, bien joué, est-ce que ça va finir ça? Super, bah, il est bien là. Il sort des petits trucs là, RDDK. Allez, qu'est-ce qu'on va faire à la relevée? Oh, bien joué le FC3 kick. La shop basse. La shop basse. Petit 6B dans la garde. 3. Allez, il va pouvoir terminer. Bien joué avec le 3B derrière. Ah, il faut essayer de terminer du côté de Joe. Ah dommage, il n'a pas réussi à se tirer. Ah voilà, il va jouer sur la barre de garde de son adversaire. Donc, voilà, il va faire parce qu'il n'y a pas d'avantage là. Allez, on termine Final Game. Et le 2B pour terminer. Et Joe qui mène par 4 à 2 maintenant. Jewelers carve their battle one. Fight. Bien joué, le 6B de Kicker. Dommage, il aurait pu mettre une meilleure position. La chope. Main game à relever, qu'est-ce qu'il va faire? Le 3-3B qui est passé, il s'est baissé, il fallait pas. Le 6B pour passer dans la garde, 6-6 kick derrière. Ça passe dans la garde pour l'instant. Bien joué, la chope. Terminé, le relevé B. Et comment ça va se terminer? Et on vise les pieds comme d'hab. Premier round pour Joe. BB, voilà. 3B, 3B, ça grimpe au sol. Bien joué la chope de côté. FC3 qui vient. Hop, voilà. 6-6B, hop, avec le petit pilote derrière. Allez, un dernier petit man game pour RDDK. Faut pas le perdre. Ah, j'ai un peu la garde. Le 6-6B, c'est le 6-6B encore. Il va jouer sur la barre de garde.
Et voilà, et là où il fait la petite punition au sol avec un petit de kick, et voilà. Premier round partout. Un round partout, pardon. Oh, bien joué là, un tir de la fin, je garde. La chope basse, c'est le chope et le petit de kick, ça peut nous écouter. Bien joué, le petit de kick qui passe du côté de Joe. Oh là là, la série est partie, par contre là, on a vu la lumière. 3-3B, ça peut faire. Oh, ça allait passer là, le kick de RDDK, mais bien interrompu par Joe. Et Joe qui prend le deuxième round. Bien joué, le kick là en ancière. Le 2B, voilà, il va jouer sur la barre de garde, ça commence à clignoter. FC3 kick, voilà, allez. Ah là là, le deuxième FC3 kick, il le place très mal, c'est dommage. Il roule bien, et donc il faut qu'il soit en position. Ah là là, là il prend tout là. Oh, bien joué le GI. Ah, dommage, il a. Le main game derrière n'est pas très bon. Il aurait dû courir plutôt. Bien joué le GAK Wiff et la chope derrière. Ah, la chope passe, c'est pas passé. Le AGA encore, le 4 kick. La chope ça a whiffé. 6-6B ça passe pas. Là cette fois-ci ça passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le 2 kick, le 2 kick encore une fois. Et Joe qui prend l'avantage cette fois-ci. Il prend 3 matchs d'avance. On est à 5-2. Ah, il commence à prendre le large Joe. Hein. Ah, il a dit hein, dans son interview qu'il est plus là pour rigoler maintenant. Alors oui, j'avais vu aussi qu'il y avait des personnes qui demandaient pourquoi j'avais pas remis Malek et Ayate pour, alors qu'ils avaient gagné les votes, en effet, c'est une bonne question. Et bah en fait, le truc c'est que Malek il ne pourra pas être présent pour un deux semaines test, donc je pense pas que ce soit utile de le mettre. Là, et Ayate, bah, il répond tout simplement, donc voilà quoi. Donc je fais les bons tiroirs pour chercher les joueurs. Donc manifestez-vous auprès de moi si vous êtes bon et que vous avez envie de participer. Voilà voilà, allez on est reparti pour sur ce match. Bien joué le 3B. Premier round pour Joe. 6-6 écouteur, le top knocker derrière. Allez RDDK, forcé de revenir. Oh mais ça passe pas. Bien joué la punition. Le petit kick peut gratter au sol, le 3B ça passe pas, il peut pas punir. Je crois qu'à mon avis il peut mettre le 6A dedans hein, pour punir le 3B. Hein. Ça fait pas grand chose, mais au moins tu peux punir. Ah, le 4 kick contre du côté de Joe, il est encore sur la barre là, le 2B qui passe dans la garde, on est déjà dans le rouge du côté d'RDDK. 6-6B, 6-6B, et voilà, cette fois-ci ça passe. Allez, un dernier team man game. Oh, dommage, il a chopé, il aurait dû peut-être se TP et puis après punir tranquillement. Le AGA qui passe. Hop, bien joué, le petit bas-point Ravage. Et RDDK qui prend son premier round. Ah, il a la barre qui clignote déjà, on en est au deuxième round, c'est vraiment très bon pour lui. Allez, pour l'instant, il a pris un petit avantage là. Bien joué la chope. 3 P, ça passe. Oh là là, dommage, il a raté son combo. 6-6B. Voilà. Bien joué, 6-6B footer, le Duck Knocker derrière. Ah, dommage, ça sort pas, le 3 P pour gratter. Là là, attention, la chope pour éviter de sortir. Et bien joué, la punition avec le 6 kick. Punition de la chope. Et RDDK qui prend son deuxième round. Allez, RDDK, il faut terminer et essayer de revenir dans la partie. Oh bien joué ça, hop le combo, là, bien joué. Oh plusieurs de cœur derrière, c'est combo ça. Ah je savais pas ça. Oh il nous donne de belles choses à RDDK, bien joué avec la derrière. Et voilà, il a complètement la sauce. Et il revient à 5-3. Ah par contre le combo avec le Duck Knocker là, j'étais pas au courant. J'avais jamais vu ça. Intéressant, intéressant. Ah, il nous a fait montrer de belles choses sur ce match là. Il s'est bien déchaîné. On a un 5-3. Malgré un bon avantage quand même pour notre ami Joe. C'est quand même un match assez serré, c'est sympa.
Il a 90% maintenant. Oula, le HDR, ça passe dans la garde, ça passe dans la gueule plutôt, excusez-moi. Alors, donc, le même du beau là. Ça se regarde de côté. Ah, et dommage, c'est pas passé. Oh, dommage, c'est pas encore passé. Le deuxième coup, il est interrupt par Joe. Le HDR, ça passe dans la garde. Le 9 kick cette fois-ci. La shot basse, c'est pas fini. Je sais pas ce qu'il peut mettre dans. Quand il part, la shot basse. FC, je sais pas si c'est 3 kicks, ça devrait passer peut-être. Ouh, il est par top position là. Elle est bonne du côté de Joe. Oh là là, dommage, il a pas confirmé le relevé B. Attention pour l'instant, ça peut aller très vite de chaque côté. Le 3B, qu'est-ce qu'il va se faire là? La shot, bien joué, là du côté de Joe qui prend le premier match. Premier round, pardon. Ah, on est reparti. Le B là pour interrupt. Il aime beaucoup faire ça là, le Joe. Il, à chaque fois, des fois pour commencer, il fait juste un petit B pour stopper les adversaires qui rusheraient sur lui. Voilà, ça regagne un peu de vie pour l'instant. Mais par contre, là, bien joué le finish, là. Ah, c'est trop kick à whiffé. Dommage, c'est balle punie. Oh, bien joué encore ça. Oh, dommage, qu'est-ce qu'il a fait? Alors attention, ça va être dangereux là du coup, il est dans une position dangereuse là. Voilà, c'est pas puni. Les whiffs là, ça whiff de l'autre côté. Oh bien, joué le 4A. 3B avec le double cœur derrière. Là, ça gratte au sol, le 3B ça a whiffé. La position de la chapeau, oh là là, avec le là. Les phases RDDK. Le 6 kick. Le deuxième kick qui est passé, puis après il a fait l'improbe. Là je ne sais pas. RDDK qui disait dans son dans une interview que c'est lui qu'à mon avis qui joue le mieux RDDK que YouTube sur Twitch. Il fait des trucs, c'est un peu fun à jouer. Il fait des couleurs, ça fait du feu, ça fait des éclairs, ça fait tout. Et lui il le joue comme ça. Oh là, attention là. Bien, on fait la position là, de la CE là. On va jouer sur la barre de garde. Oh là là, et hop là. Et là on est dans le rouge. Du côté de RDDK, ça va pas être facile, là pour revenir. Ouh, quand je vais la position. Hop, bam, tac, allez, le wall. Oh là là, il prend encore cette arnaque. Ah là, il est mal parti là, RDDK. Il y a la barre qui clignote, on est déjà dans le jaune de ce côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de se regagner un petit peu de vie, il a réussi, mais ça a bien été puni du côté de Joe. Et Joe qui reprend son avantage et qui en est maintenant à 6-3. Alors là, Joe il creuse carrément l'écart. Hein. Allez, c'est reparti. Allez, il va falloir pour RDDK essayer de revenir au mieux possible. Ça va pas être évident. Joe il est bien carré là. Il joue bien de ce côté. Là pour l'instant, il y a un avantage pour RDDK. Ouh là, le rôle de bien joué la position. Allez, faut jouer là. Bien joué, c'est ce qui est plus tard avec le follow-up. Hop, hop, et voilà, on vise les pieds pour terminer. Premier round pour RDDK. Allez, faut revenir là. Là j'ai à passer pour la garde. Oh là il whiff tout là. Là c'est 3 kills. Oh mais c'est mal puni là du côté de Joe, les FC3. C'est pas bon ça. Bien le feu de conquer là, le 3B, le 3B qui peut gratter derrière encore. Oh là là, le 3B qui passe encore. Voilà. Beau grattage au 3B là. Il a perdu quasiment toute sa vie. Vouloir rester au sol. Au bout d'un moment, il faut se relever. Voilà, bien joué la position de la J. Et deuxième round pour RDDK. Allez, RDDK, faut termine ça rapidement. Et après, on passe à l'autre match. Au moins, bien joué le scooter. Est-ce que ça va sortir? Boum, bam. Oh, dommage, il a pas pu terminer. Le dernier coup qui est pas passé. Peut-être qu'il manquait le bravo, je sais pas. Il aurait pu sortir là, c'est dommage. La chop s'est déchirée. 3-3 B, ça whiff le A derrière là. Hop.
bien jouer la position là de Nif. Voilà. Oh bien joué le 6. Avec le flot de l'empara pour terminer. Et voilà, 3-0. Et RDDK qui revient à 6-4. Allez maintenant pour essayer de encore de continuer. On a un match quand même assez serré, hein, malgré l'avantage qu'a pris Joe. C'est quand même bien serré, il se laisse pas faire RDDK. Il montre de belles choses. Et on a du côté de Joe un Nightmare très très carré. Hein. Joe, il s'est fait appeler dernièrement le paillasson, après avoir perdu 10 défis d'affilée. Après c'est bien repris, il a gagné 10 défis tout simplement. Malheureusement après il a pas pu bien confirmer sa bonne position ces dernières mois vraiment son tournoi de Lille. Donc là il a une nouvelle chance là de prouver que c'est un bon. Dans ce Lido Sportive, c'est sur les deux. Ça c'est besoin de qualification. Et là il vient de prendre le premier round. Ça vise les côtes du côté de Joe, le AGA. B, c'est bien puni là. Hop, là ça gratte le sol. 3B. Oh, dommage, le 6-6 qui est passé. Comme le cœur, boum boum bam, le 3B. 6-6B. Hop, le 3B ça whiffé. Oh là là, le roll BB. Voilà. Et Joe qui prend son deuxième round facilement. Bien joué de la gêne encore une fois. Oh là là, le gêne qui va passer. Ça vise les côtes, le 3B derrière. Ouh là là. Et il rush comme un fou là. Ah bien joué, il s'est baissé avec le C3 qui est derrière. Le 2B. Le C3 kick. 3B. Le 3B. Ouh là, on est en mode diaporama. Ouh là, bien joué là, c'est le. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire à la relever? Le relevé B. Et voilà. Et Joe qui reprend encore l'avantage. Qui mène par 7-4 maintenant. Ah, il n'arrive pas à mettre deux matchs d'affilée. Hein. RDDK, c'est difficile. Et si ça continue comme ça, il va prendre la victoire facilement. Ce cher Joe. Et donc il faut jouer mieux. C'est pas facile, hein. Bien joué la chope. 3B, c'est pour gratter au sol. Là pour l'instant, il a pris un bon petit avantage là, RDDK. La chope, allez, le Junken à la relever. Il fait un petit peu de kick. Le 3B, c'est la position là. Hop, allez, comment on va terminer? On est parti là. Hop, le petit pas point. Et le 6B derrière. Terminé. Et donc, RDDK qui prend le premier round. RDDK, il faut rester concentré, essayer de gagner là, et puis après essayer de regagner encore une fois pour essayer de recoller à son adversaire. Il a bien joué, hop hop hop. Alors, bien joué le vie, hop la shot passe. Ou bien joué le GI. Ah dommage, ça passe pas, on reste pas debout. Regardez la position avec le C3 qui fait. Bien joué le 6. Ah, j'ai plus de peur. La shot passe. Alors, la shot passe en bas, en A. Relevé. Oh là là, ça prend deux fois là, la belle phase. Très bien joué la position de la shot avec le 4 kick B. Et RDK qui prend ce deuxième match. Là, pour l'instant, à chaque fois, il reprend le match de skill suivant assez facilement. Il est 3-0, mais après, il n'arrive pas à confirmer. Ça va foncer, bien joué là, il est bien parti là, on vise les pieds. Il a pas pu la mettre, je sais pas, je pense qu'il peut mettre un 6 kick dedans après ça. Alors bien joué. Bien joué là, le boom boom. Allez, la shot basse pour le relever. Hop, la position là.
punition, bien joué, la punition là avec le, enfin, le Jesus Guard et le 3B derrière. Et il prend encore par 3 secondes. Et donc maintenant, RDDK, il va falloir qu'il confirme le point qu'il a gagné. Et essayer de revenir à 7 partout, ça va pas être évident. Il n'arrive pas à être assez régulier pour l'instant. Mais on sait jamais. Voilà, FC3 qui kiffe, FC3 qui kiffe. Voilà, on utilise les vrais coups maintenant. On rigole plus. Et là pour l'instant, on peut mettre un peu là, encore FC3 kick là, comme ça a bouffé. Alors attention, faut faire gaffe, le CCB et le 3B, on essaie de faire les trucs garantis, surtout en fin de match, c'est bien. Et RDK qui prend son premier round, est-ce qu'il va confirmer? Là il a la question, le 6 du côté de Joe. De kick, voilà, ça peut des deux côtés, FC3 kick, voilà. Oh dommage, oh bien joué la position. Ah bien joué encore la position. Ah Jonah qui est plus bien là. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, bien joué la chope basse. 6B dans la garde. Le 9B. Ok, le 2 de B encore. Allez, on va terminer avec un petit bébé. Le pied. Et un round partout. Stage clairement à l'avantage de Nightmare. Hein. Il mènera beaucoup plus facilement au goal que Yoshimitsu. Shinsu, même s'il a de très bon goal, c'est bon pour lui d'avoir des dégâts. Allez, pour l'instant, ça se wiffait, wiffait. Un bon avantage là pour Joe. Et la plupart qui commence déjà à clignoter là. Alors, on essaie de regagner un peu de vie. Et voilà, 3-3 du AA. J'ai mis Hit qui touche et Joe qui prend son deuxième match. Deuxième round, pardon. Le FC3 qui ça passe pas. Là le CL6 à counter, ça n'a pas passé non plus. Oh là là, il a tout là, on n'arrive pas à confirmer, ça prend ça, tout passe dans la garde là. Voilà, ça fait double touche, attention, comment ça va se terminer. Il a la sauté. Oh là là, ça touche quand même. Ah c'était moins une là du côté de Joe. Allez, faut terminer. Comment ça va se passer à l'enlever? Magnifique. Alors là il est revenu des enfers. Alors par contre attention, le prochain round là ça va être assez difficile. Il a quand même la barque qui clignote, le cher RDDK. Le 3-3B ça passe. Le 2 kick n'est pas passé. Oh là là, il y a un peu d'esquive. Oh dommage, le 3B qui s'est pas passé. Non, ça balance tout. Il balance tout là les deux joueurs. Oh non, dommage, la chope elle est pas passée. Il a fait perdre la vie et le 6-6 kick qui a touché counter avant et Joe qui prend le match à bras. Le dernier round c'était n'importe quoi. Ils ont tout balancé. Ils se sont dit bon allez, y a plus rien à perdre là. On va faire tout et n'importe quoi. Et hop, voilà, on a tout lancé. Youhou Maxi Lopez, comment vas-tu? Là c'était violent là, ils se sont dit le tout pour le tout, on balance toutes nos dernières arcanes. Et pour l'instant là Joe qui est à deux matchs de la victoire et de se qualifier pour Zeus Mentes. Merde DDK, a pas laissé faire hein. 2 de B, il va falloir qu'il trouve, faut qu'il s'est trouvé un truc pour, parce qu'il n'arrête pas de se, sa barre n'arrête pas de clignoter et puis il se retrouve chaque fois un peu dans la merde quand ils sont dans les fins de match. Enfin, il peut commencer les fins de match assez sereinement. Bon, là ça arrive de tous les côtés et ça fait pas de superbe position derrière. Les côtes là. Bien joué le Just Guard, la chope derrière. Allez, comment on va terminer tout ça? Le Junken, le 3B c'est pas passé, toujours celui de la part là et le 4B. Et
niveau des punitions, c'est pas trop ça là du côté de Kyo quand même. Hein. Les punitions du FC3 Kick, c'est pas super. Il y a des chops derrière, alors qu'il devrait pas. Je pense que le FC3B, ça doit clairement passer. Et le 3B, je crois qu'il peut mettre 6A dedans, donc il devrait faire ça. Même si ça fait pas énormément de dégâts le 6A après le 3B, mais au moins tu punis. Donc ça fait dire à ton adversaire, l'utilise pas à bon escient comme tu veux, quoi. Même si un midi, c'est quand il y a le strip minimum à prendre. Allez, on est reparti. Pour l'instant, là, on a égalité et la barre de RZK qui clignote toujours. Voilà, il joue bien là-dessus, là, RDK, bien joué là, dommage la chute qui passe pas de dos. Soit ça touche en double hit, bien joué la chope là avec le mangame à relever. Voilà, il a essayé un off kick et il lui a remis au sol, il reste calme. Arme partout. Et regardez, il y a déjà la barre qui clignote là du coup. C'est à mon avis, c'était pas assez. C'est bien ça. Oula, là le double qui passe là, la chope et deuxième round là, bien rapide là, du côté de Joe qui bend par maintenant pour 2-1. Allez, comment ça va se terminer tout ça? Le 9 kick, ça passe pas. Le 3B avec le. Tiens, je vais aller le cutter, boum, tac, tac, boum. Oh là là, bien joué de la part de RDK, joli combo. Prend l'avantage, la chope passe, c'est bien puni là avec le FC et oh là là, là c'est encore boum, allez hop là, le HGA, bon il met toute la garde, il va essayer de lui faire péter la barre et le 2-2B qui passe et le roll 2B terminé, voilà, et maintenant on en est à 9-5. Et là maintenant notre RDK se retrouve au pied du mur, ça va pas être évident là pour gagner. Là, il va falloir qu'il gagne par 5 fois maintenant RDK s'il veut obtenir la victoire. Et ça va pas être évident. Donc là, Joe, il est bien chaud, il est bien carré. Malgré quelques petits défauts, surtout au niveau de finition. Mais au moins, il fait le nécessaire pour arriver à la victoire. Il en est plus qu'à un match. Desperation opens the gate. Battle one. Fight. Allez, c'est reparti. Le HGA. Chop carré. Oh, elle a bien joué là pour le 9. Bon avantage là pour Joe de la danse pour ce premier round. Oh, bien joué encore les 6-6B. Attention, oula, dommage, l'appareil va se passer. Boum, allez, le Junken à l'enlever, deux kicks. Et voilà le 3-3-1. Voilà, faut faire attention à sa garde à leur distance là. Battle 2. White. La chauffe passe. Bien puni. 6-6 de counter, deux counter derrière. 3B. 3B encore pour gratter. Par contre, c'est bien, je fais ça derrière. Hop là, on vise les pieds. Oh, dommage, il a raté à mon avis. Tenez, la chope, c'est bien. Ah, il va là, du coup, il est bien parti là, il va rien laisser. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Hop, ah, il est bien resté au sol, bien joué ça. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Ça se regarder de côté. Bien joué la position là. Attention. Or ça c'est pas mal. Bien joué la part des RDK. C'était risqué. Mais c'est passé, c'est important. Ouh là là, le 3-3B, faut faire attention à sa garde à la distance. Quand on est à distance RDK, le 2B, ça passe dans la garde. Double touche. Le follow-up là, le 3B, ça passe pas, c'est toujours puni ou pas puni hein, du côté de Joe. Oula, c'est quoi ça, c'est GI au pif là. Oula, attention. 6-6B, ça peut être le combo qui passe derrière. Ah là là, le wall combo. Le petit kick. Et on vise encore les pieds pour terminer. Et RDDK qui prend l'avantage. RDDK. On termine ce round. Et puis après, il faut essayer de revenir après. Et Joe, toi, tu vas devoir terminer.
de revenir là. Bien joué le counter là qui prend là. Le 3-3B, oula, ça fait mal ça. Nous sommes toujours encore sur la barre de garde là. Et qu'il y a déjà du côté de Ordelica. Ça vise les côtes, ça vise les pieds. Ça vise en haut. Oh là là. Il est complètement bloqué là, il sait pas quoi faire là, le pauvre Ardelica. La chop, c'est bien, le 3B pour gratter au sol, le 6B qui touche en counter. Allez. Ah faut, voilà 3B, voilà, au sol, hop, le 6-6 qui a touché. Ah dommage, c'est pas puni. Oh, il a tenté le suicide, c'était bien joué. Et malheureusement il a mis un 9 kick dedans. Et allez maintenant le dernier round, et là il est mal parti quand même encore ZDK avec la barre qui clignote. Il va falloir qu'il fasse très attention. Ouh là là, le 3B derrière, hop. Oh là là là, il prend tout là, RDDK, il prend tout là, là, il va y avoir un gros goal là. Ah là là, je pense que c'est terminé. Boum boum bam, et c'est terminé par un perfect. Et Joe qui remporte la victoire et qui se qualifie pour le 2 semaines test. Bravo à Joe.